Aujourd'hui pour un premier haul grossesse, à savoir que j'ai choisi des articles qui ne sont absolument pas spécifiques à la grossesse, donc si vous n'êtes pas enceinte ça peut tout à fait vous intéresser. Je veux simplement vous montrer comment avec certains achats pas spéciales grossesse vous pouvez adapter vos tenues pour la grossesse de tous les jours. Donc du coup j'ai passé deux commandes sur deux différents sites et tous les produits je vous mets les liens en barre d'infos. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'acheter entre guillemets sur des sites chinois parce que c'est moins cher et du coup ça vous permet de pouvoir tester différentes choses pendant votre grossesse ou même hors grossesse et d'avoir des choses sympas pour un prix pas trop cher. Donc pour commencer il y a ce premier article que vous m'avez beaucoup demandé d'où il vient. Donc je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos, je le trouve vraiment génial ce sweat, il est hyper confortable, hyper agréable. Il a ce petit élastique qui resserre en fait et qui maintient la taille et quand vous êtes enceinte qui va du coup valoriser votre ventre de femme enceinte. Moi qui suis au milieu de mon cinquième mois je peux encore le porter mais j'ai pas un énorme ventre. Mais je sais que je pourrais le porter encore pas mal de temps, ça pose pas souci. À l'intérieur il est doublé un petit peu en laine et du coup il est hyper confort, les finitions sont vraiment très bien et j'adore le motif en fait, du coup c'est un des sweats que je porte le plus souvent. J'ai un autre sweat que j'ai commandé sur le même site comme ceci avec des petites fleurs blancs. Il est dans une matière beaucoup plus légère qui tient un petit peu moins chaud que celui-ci qui est vraiment très chaud. Mais du coup moi je porte un petit débardeur parce qu'il est très légèrement transparent, c'est vraiment subtil. Et si vous portez par exemple un soutien-gorge de couleur du type noir ou rouge ou des choses comme ça, il se verra quand même. Mais si vous portez un soutien-gorge couleur chair ou blanc, ça ne se voit absolument pas si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas qu'on voit votre lingerie à travers vos vêtements. Et du coup, il est super agréable à porter, super léger. Il est coupé de la même façon et j'adore le motif fleur. Je trouve que c'est super mignon. Et même en hiver, ça se porte très bien et j'adore ce sweat. Dernier haut que j'ai pris toujours sur le même site, c'est cette petite chemise. Vous m'avez demandé aussi de voir dans pas mal de vlogs d'où elle venait, donc avec des petits motifs chouettes. Je trouve qu'elle fait très classe, très habillée et à la fois elle est super mignonne. Son côté, les motifs en fait donnent un petit peu un côté original à la tenue et je trouve que ça rend juste hyper bien porté. J'arrive à le porter tout à fait enceinte, ça met en valeur mon ventre. Il est léger, il est fluide et voilà, et juste je le trouve magnifique. J'adore cette chemise. Elle est donc tout en bouton. Elle se ferme pas complètement en bas, il n'y a pas un bouton tout en bas, ce qui permet si par exemple vous avez envie de la remonter, de faire un nœud et de la porter limite en top crotte, ça passera parfaitement. Non, crop top. Moi je sais pas pourquoi je dis top crotte, je vais dire l'inverse, mais c'est des crop top. Donc voilà, et donc c'est super bien parce que du coup vous pouvez vraiment l'adapter à votre tenue. Ensuite, moi j'adore porter pendant ma grossesse des robes ou alors des robes en deux parties, donc jupe taille haute plus un crop top. Et du coup j'en ai différents à vous montrer, j'en ai trois. Je vais avoir d'abord un tout noir, donc du coup le haut est comme ceci. Pour le moment j'ai porté que le noir, l'autre que je vais vous montrer je ne l'ai pas encore porté. Donc il arrive juste en dessous de la poitrine, de toute façon je vous mets des plans pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, donc en manche longue. Et avec il y a tout simplement une jupe longue taille haute. Donc moi je le porte très haut, j'ai pris taille sur celui-là taille M, ce qui est plus en taille S, c'est un regret, j'aurais dû le prendre en taille S, mais du coup en fait derrière je fais un sorte de petit nœud que je retrousse et du coup ça fait un effet légèrement donu qui est aussi très joli, mais c'est parce que je le porte haut en fait, du coup forcément au lieu de le porter au niveau de la
de la vraie taille, moi je le porte sous les côtes pour que ça recouvre quand même vraiment entièrement mon ventre, qu'il y ait juste un tout petit liseré entre le haut et le bas. Je trouve que ça apporte un côté un petit peu sexy, joli, élégant à la femme enceinte, voilà, alors que si on le porte complètement fermé, ça fait une robe classique, on voit plus le côté deux pièces, donc c'est vraiment pour mettre en valeur le côté deux pièces. Donc je l'ai pris en coloris noir et je l'ai pris en coloris gris. Donc celui-là, ce gris fait un peu plus soirée parce qu'il est satiné. Je pense que vous pouvez le voir, il brille. Je ne l'ai encore pas porté du coup parce que j'ai pas eu de soirée à l'occasion pour le porter. Que par contre j'ai pris un taille S et pour lequel du coup ça correspond beaucoup mieux au niveau de ma taille. Donc pareil, voilà, comme ceci, qui peut faire en soirée. Sauf qu'il y a Noël, il y a le jour de l'an qui arrive, donc c'est des tenues qui peuvent être super élégantes, même hors grossesse. Je trouve que les robes de pièces, c'est hyper classe, hyper élégant. Et voilà, je trouve que ça peut vite habiller une tenue de façon très simple sans avoir besoin de mettre des tonnes d'accessoires. J'ai donc pris quelque chose d'un petit peu plus original. J'ai repris donc le même principe mais en côté velours bien chaud, du coup qui apporte un côté cocooning à la tenue et je trouve ça super mignon. Donc c'est une jupe pareil taille haute, donc qui normalement se porte je dirais légèrement au-dessus du nombril, que moi je remonte toujours un petit peu, après à vous de jouer sur la longueur. Donc comme ceci, qui est hyper confortable à porter avec le petit haut en col, et ça je trouve ça juste trop côté cocooning et classe, et j'adore cette tenue, c'est le type de tenue que j'aime porter, que je trouve ça hyper élégant, hyper joli et juste trop trop confort quoi. Elle est vraiment super belle cette robe portée, elle se porte en tous les jours. Si vous voulez casser un petit peu, vous pouvez porter ça avec des baskets, avec une petite veste, un petit blazer, sans souci, ça passe hyper bien. Et vous pouvez apporter tout un côté élégant en portant des talons, une petite pochette, une petite veste un petit peu plus classe, et voilà, elle s'adapte vraiment de jour comme de soir. C'est une tenue qui passe partout et ça je trouve que c'est génial, c'est hyper confort. Il y a la maxi dress, donc la très grande robe. Hop, comme ceci, donc ça sera très difficile de vous la montrer en entier dans l'écran, mais alors elle est très très grande, un peu ample. Je trouve que c'est une tenue qui se porte tranquille tous les jours au quotidien. Vous pouvez porter ça avec une petite basket, avec une petite veste cintrée qui arrive en milieu de taille dans vos hanches, pour marquer vos hanches et apporter tout de suite un galbe à votre tenue. Ou alors vous pouvez la porter avec une ceinture pour la remonter. Vous pouvez la porter en demi-saison comme en hiver. C'est vraiment une tenue qui est passe-partout, qui est lambda, qui est confort, cocooning. Et voilà, pour moi c'est un petit peu limite un indispensable dressing. Là je l'ai pris en couleur crème. Je ne sais pas si elle ressort vraiment crème un petit peu. C'est un beige crème. Voilà, et elle passe hyper bien. Elle est hyper confort, hyper fluide. C'est la tenue un peu basique, classique. Dernier, je me suis pris une petite veste comme ceci. En fait on passe donc les bras ici dans l'autre sens que je fais, et en fait il va y avoir donc un effet cap à l'arrière qui va revenir se poser sur les bras, donc comme vous pouvez voir à l'image hein. Et je trouve que tout de suite ça apporte un petit peu de classe, et pour les femmes enceintes par exemple ça va vraiment, du coup comme c'est droit ça va se longer le long du corps et le ventre de femme enceinte sera un petit peu plus voyant, plus joli, mis en avant. Ça permet que si vous portez quelque chose de cintré de venir valoriser votre ventre, et même si vous n'avez pas de ventre, je trouve que c'est quelque chose qui apporte un côté très classe à la tenue tout en pouvant se porter tous les jours. Ça vous pouvez l'adapter autant en soirée que qu'en journée au quotidien, que vous pouvez porter avec une paire de baskets comme une paire de talons. C'est vraiment pour moi un truc qui passe partout, et en couleur noire c'est hyper neutre. De mes deux commandes que j'ai passées dernièrement pour ma grossesse, mais aussi pour l'hiver, pour un petit peu quotidien, qui est tout à fait adaptable. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la tenue que vous préférez, à me dire celle que vous aimez le plus, celle qui vous correspondrait. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre les aventures de notre petite famille au quotidien. Nous, ça nous fera très très plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie tout plein de bisous. Thank you.